Gouvernement haïtien en tête collé à groupement international santé pour Haïti, yon compagnie espagnole, signé un contrat pour yon valeur 41 millions de dollars américains jeudi à dans ministère économie et finance pour reconstruction l'hôpital Université l'État d'Haïti à HUEH qui était si big gros dommage dans tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Si a ti contrat ça qui fait en présence nouveau ambassadeur français à Patrick Nicoloso ak ambassadrice américaine nan Pamela White qui gen gouvernement pays yo qui bay participation pa yo pour yon valeur 25 millions de dollars chaque pour projet ça cap exécuter dans environ 34 mois d'après sa autorité au fait connait ministre santé publique ak population docteur Florence Duperval Guillaume précisé nouveau l'hôpital ça pral permettre population en joindre plus bon soins santé pendant le profiter by garantie tout personnel cap gain pour travailler dans nouveau l'hôpital là a gain qualification pour ça docteur Duperval souligné résultat recherche qui gain pour fait yo a publié by communauté scientifique là ça qui d'après lui a permettre population en reprendre confiance dans système sanitaire haïtien docteur Florence Duperval Guillaume, dans micro Emmanuel Tolembrina et Delson Gersin. Il y a longtemps que l'on attendait ce moment et je peux vous garantir que c'est avec beaucoup d'émotion que je le vis. Je le vis intensément parce que moi aussi j'ai été élevée à l'HEH. J'ai connu l'HEH autrement que ce qu'il est aujourd'hui. Et mon rêve le plus sincère, c'est de pouvoir redonner à ce pays une institution phare qui puisse représenter effectivement l'image de nouveau système de santé haïtien. Je crois fermement que ce nouveau système de santé haïtien va passer par un nouvel hôpital. Et je vais peut-être continuer la conversation en créole pour que tout le monde comprenne. Madame l'ambassadeur des États-Unis a commencé en parlant du nouvel hôpital. Monsieur l'ambassadeur de France a continué en insistant sur les questions de gestion de l'hôpital. Nous allons avoir, non pas une infrastructure physique, nous pas pour gagner un bel bâtiment, nous pas pour gagner un bâtiment bien meublé, bien équipé, mais nous pour gagner personnel qualifié là-dedans. Nous pour gagner un autre système de gestion qui pour permettre que l'hôpital là, que nous tous haïtiens nous fiers de lui. Il a parlé de réforme. Depuis qu'on a fait réforme, nous connaissons généralement il y a des gens qui sont capables de résister au changement. Il y a des changements qui sont capables de porter des douleurs à certaines personnes. Mais il faut nous garder l'objectif commun, qui c'est que nous toutes, quel que soit niveau socio-économique, nous, quelle que soit classe à laquelle nous appartenons, hein, quelle que soit coloration de peau nous avons gagné, qu'il s'agisse d'étrangers, ou bien de haïtiens qui vivent dans le pays, nous faisons pour nous gagner une infrastructure, pour nous garder dans la tête nous, et dans le comportement, un rêve de gagner une infrastructure côté nous toutes nous fiers de lui, qui est capable de représenter un hôpital digne de ce nom dans le pays. Donc, déjà dit nous ça, je suis content que nous avons fait étape là, nous déjà commencer le travail sur les questions de gestion. Nous avons une commission qui a penché uniquement sur les aspects de gestion de l'hôpital. Et nous n'avons pas le temps que la question de gestion de l'hôpital, là, dans Tamil, le bâtiment fin construit. Nous avons fait tous les deux ensemble, de telle sorte que le lap inauguré, ce n'est pas pour un bâtiment vide. Ça veut dire qu'il n'est pas capable de faire un service de santé de qualité à la population que nous avons gagné. Mais nous avons gagné un bâtiment qui vraiment représente une fierté nationale. Ou l'hôpital digne de ce nom, côté génération future, il est capable de former, côté n'est capable de faire des recherches, et côté n'est capable de publier toutes les recherches qui sont faites sur la scène internationale qui pourraient aider à l'avancement de la médecine moderne à travers le monde. Soubopal, ministre économie et finance Lan Wilson Lalo fait connait gè 33 millions de dollars américains qui sortent dans trésor public là pour projet reconstruction nouveau l'hôpital général là qui c'est plus gros centre hospitalier pays a qui a fonctionné depuis quelque temps à camper les difficultés. Monsieur Lalo qui remercie gouvernement américain et gouvernement français pour support yo préciser reconstruction nouveau bâtiment a fait selon norme parasismique yo ak norme international fonctionnement yon l'hôpital. Ministre économie et finance Lan Wilson Lalo toujours dans micro Emmanuel Tolembrina ak Delson Gersin. Dans une vie antérieure, j'étais à me battre pour qu'on construise cet hôpital et je me retrouve maintenant à faciliter sa réalisation. Donc vous imaginez combien je suis heureux et c'est pour ça que je regrette que là, autour de cette table, il y ait certaines personnalités que je ne vois pas et auxquelles... Je peux continuer, j'espère.
alors, il y a des personnalités qui ne sont pas présentes ici. Je veux nommer le recteur de l'Université de l'Haïti. Je souhaiterais qu'il soit là. Il n'est pas vu doyen de la faculté de médecine. Ce serait bien qu'il soit là. Moi, je leur envoie toute mon affection. Je sais combien eux aussi, ils sont heureux de voir qu'on arrive à ce point dans le processus de création, de construction de cet hôpital. Moi, je ne vais pas rentrer dans les questions techniques, ça a été dit par des gens plus qualifiés que moi. Mais je dirais quand même que le montage pour réaliser ce projet est ainsi fait que, par exemple, la France, dès le début, s'est engagée pour un montant de 25 millions de dollars américains. Les États-Unis, se sont engagés également pour 25 millions de dollars américains. Et l'État haïtien s'est engagé pour 33,2 millions de dollars américains. Ça fait que le projet global, c'est 83,2 millions de dollars américains. Ce projet, vous voyez bien tous les espoirs qui sont mis à sa réalisation et à son fonctionnement. C'est-à-dire, c'est l'hôpital réputé de catégorie 3 qui devrait être un hôpital de référence dans le pays. Nous voulons promouvoir le tourisme, nous voulons que le secteur, que la société se sente en confiance dans leur établissement hospitalier. Et nous voulons que le touriste qui visite ce pays puisse se sentir en confiance pour fréquenter nos installations hospitalières. Cet hôpital a vocation à remplir ces fonctions-là et nous sommes vraiment heureux. Et je dois dire vraiment au nom du président de la République, tout le monde sait combien lui il a hâte de voir ce projet démarrer, du chef de gouvernement qui en parle tout le temps dans les conseils de gouvernement. Donc c'est un réel plaisir pour nous de participer à cet événement. J'ai un petit pincement en attendant le calendrier qui nous a été soumis par l'ambassadeur de l'Espagne, que ce qu'il faut, c'est, ou bien le président de la firme a parlé de 34 mois pour réaliser ce projet. On voit que c'est vraiment un long fleuve tranquille, c'est difficile. Nous, on voudrait voir cet hôpital être réalisé dans un délai plus court. Sous Bopayo, ambassadeur français à Patrick Nicoloso et ambassadrice américaine Pamela White déclaré, réforme ça qui pral fait dans le système sanitaire haïtien pral permettre l'État améliorer qualité soins santé public population. Diplomatio souhaité projet a doit exécuter dans toute transparence pendant yon profite souligner c'est pral yon gros avantage pour étudiant dans médecine yo qui privé joine yon pi bon formation médicale. Yon après l'autre Patrick Nicoloso et Pamela White. Représentant de l'administration, de la société civile et des coopérations. C'est pour moi un très grand plaisir aujourd'hui d'assister en tant que représentant du gouvernement français à la signature d'un des contrats d'exécution des travaux de cet hôpital de l'Université d'État d'Haïti, ici à Port-au-Prince. C'est un des grands projets que nous avions promis de co-financer ensemble avec nos amis américains et surtout le gouvernement haïtien qui est quand même le plus gros financeur de ce projet de reconstruction. C'est un projet sur lequel, dès mon arrivée, le président m'a dit l'impatience des Haïtiens à le voir sortir de terre, exécuté. Et donc je suis très heureux que, pas un an, mais un mois après mon arrivée, les choses progressent de cette manière. Cette étape a été longue à parvenir, mais elle était nécessaire, longtemps était nécessaire, aussi bien du point de vue des autorités françaises que je pense du point de vue des autorités haïtiennes et américaines, pour que ce projet avance vite, mais avance dans de bonnes conditions et dans le respect de toutes les règles de concurrence et de transparence et de garanties indispensables pour le meilleur résultat. Alors, le résultat de tout cela, ce n'est pas une firme française, je regrette un peu. C'est une firme espagnole, européenne. C'est très bien. Mais c'est l'occasion de rappeler que l'aide publique au développement, selon les conceptions de la France, c'est une aide qui doit être déliée des considérations commerciales. Et donc, pour nous, notre aide n'entraîne pas forcément la présence de sociétés françaises, même si j'aurais préféré qu'il y en ait. Je suis heureuse de participer à la signature de ce contrat pour marquer avec vous un pas important dans la reconstruction de l'hôpital de l'Université de l'État d'Haïti
et contribuant par là à celle d'Haïti. Depuis mon arrivée comme ambassadeur en Haïti, il y a exactement un an, j'ai fait de ce projet une priorité. J'avais noté le profond désir du gouvernement et le besoin du peuple haïtien de voir renaître son hôpital général, détruit il y a 3 ans par le tremblement de terre. J'avais également compris l'importance de cet hôpital dans le système sanitaire haïtien, puisqu'il est là l'une des seules institutions à offrir une large gamme de soins à un coût réduit à la population démunie à Port-au-Prince de ses environs. Nous miser na route, mais nous porter bonne nouvelle. En signant ce contrat, nous espérons que les travaux de construction démarreront dans le plus bref délai afin que la population haïtienne puisse bénéficier de soins de qualité dans une institution moderne et aussi pour que les professionnels en santé puissent être formés dans un cadre adéquat. Nous devons reconnaître que le gouvernement haïtien a vraiment joué le rôle clé dans l'avancement de ce projet d'infrastructure majeur. Tout d'abord, il est en les contributeurs financiers le plus important et, en plus, c'est le gouvernement qui a assuré la coordination des autres bailleurs de fonds. Merci, madame. Cette approche de la reconstruction conduite par les Haïtiens a fortement motivé les Américains à contribuer pour un montant de 25 millions de dollars et ce projet porteur d'une transformation profonde. Nous sommes heureux d'associer nos ressources à celles des Français pour soutenir ce projet de construction complètement approprié, dirigé et contrôlé.